In Nord-Kivu, population movements are never ending. Since the exodus of the Rwandan Hutus in 1994, these camps have become a refuge for successive waves of displaced Congolese. In Mugunga 3 camp, as elsewhere, the conflict between the Congolese army and the rebels dictates the pace of people's daily lives. En ce moment, le camp de Mugunga 3 est occupé à environ par 15 à 20 000 personnes. Et la moitié était déjà là l'année dernière et une autre partie est arrivée après la prise de Goma par le M23 au mois de décembre. Donc ils s'étaient d'abord établis sur des camps au nord de Goma et quand le M23 a pris Goma, ils ont fui le nord de Goma vers Mugunga où ils sont installés. MSF is working in Mugunga 3, providing healthcare to people living in the camp. The cases we see most in this clinic are respiratory infections, diarrhea, and malaria. The teams also treat victims of sexual violence. This summer, heavy fighting broke out behind the camp and nearby town Goma was bombed. Il y a eu aussi des échanges de tirs entre les forces rebelles et l'armée congolaise qui se sont faites au-dessus du camp. Donc avec quelques obus qui sont tombés, ça c'était au mois d'août et au mois de mai. Donc la situation est un peu précaire et pour le moment on n'a pas beaucoup de visibilité sur la pérennité du camp, sur le fait que les gens vont pouvoir ou pas rentrer chez eux dans les mois qui viennent. Everyone here is ready to up and leave at a moment's notice, as people in the region are displaced time and time again, forever waiting for a peace agreement that never comes.